Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre stand de Aqualux Limité à Redline Home Center, Bagatelle Motor City. Je me présente moi-même, Nitish Hemu, un des directeurs de Aqualux Limité. Nous là pour présenter différentes gammes de flow drain, c'est-à-dire d'échange de salles de bain et des terrasses, balcons, whatever. Ok, nous ban produit ni sorti Turquie, c'est de la marque Sukor. Ok, Sukor c'est une des compagnie en Turc qui est parmi ban top 5 dans l'Europe et pour ne pas dire dans le monde aussi. Ok, la qualité c'est la qualité européenne. Nous payons les normes européennes avec les débits qui nous besoin. Voilà les flow drains. Nous avons différents types de flow drains. Nous avons ce qui est linéaire. Nous avons différentes dimensions, c'est-à-dire nous avons 600 mm, c'est-à-dire 60 cm, 80 cm, 90 cm et même plus. Même plus, c'est-à-dire au-delà de 90 cm, nous sommes capables de faire les commandes pour qui nous amènent les pour les autres commandes spéciales. Les coloris, bien sûr. Actuellement, ici, ce qui nous peut commercialiser, c'est les coloris couleur inox, c'est-à-dire stainless steel, soit polished, soit matte, brush. Okay? Et les designs aussi, il y a différents designs, c'est-à-dire nous avons design cube grade, slot grade, plain grade. Okay? Parmi tout ça là aussi, nous avons une autre linear flow drain qui est céramique compatible. Céramique compatible, c'est quoi? Nous avons une salle de bain, nous mettons joli carrelage là-dedans. À ce moment-là, on veut trouver sa grille inox là. Ou si on veut trouver ou ban mob même là-dedans. Why not ou vini ou posi là-dedans. L'étanchéité, tout à fait, il est déjà là. Ça, c'est une gamme linéaire qui nous propose. Les autres gammes qui nous avons pour côté sous-corps, c'est-à-dire une décharge, nous avons un modèle, disons une forme, une shape, triangulaire, qui c'est quelque chose de nouveau ici à Maurice. OK? Nous avons lit. Large et nous avons un peu plus petit aussi. Maintenant, nous, comme flexibilité, nous sommes capables, ou guetter avec ou ID ou bien ou architecte, ou capable de prendre lit ou mettre une selle dans un coin, ou soit qu'à mettre deux un à côté de l'autre, ou capable de jouer avec lit comme on veut, comme si c'était un puzzle. Nous avons les autres linéaires là, ok? Ce grating, le labyrinthe, ça c'est bien vendu et bien répandu à Maurice ici. C'est quelque chose de très intéressant et différent net, c'est nous tous qui amènent ce modèle de grating là. Et, comme je peux dire tout à l'heure là, nous avons un modèle carré, c'est-à-dire nous avons 15 par 15 ou bien 10 par 10 cm. Okay? Maintenant, dans les modèles carrés, nous avons plastic frame, c'est-à-dire tout autour les plastiques, avec ce qui, nous avons l'autre modèle qui vient avec ce stainless steel framed. Maintenant, ce qui nous commercialisons encore ici, c'est le modèle qui est capable il vient avec ce puddle flange, c'est-à-dire une flange pour nous faire cause l'étanchéité, avec il vient avec ce waterproofing membrane qui quand ou on peut faire aux salles de bain, ou carré douche, ou terrasse, ou whatever, quand on peut faire le cold waterproofing, ou il y a sa membrane là qui vient mouiller avec ça waterproofing qui ou déjà peut faire là, sans qu'il ait besoin de payer un additionnel, juste pour venir mettre le membrane sur le floor drain, il est déjà venu intégré dessus. Et juste avant de terminer. Le prix, nous basons le prix qui est bien compétitif avec deuxième affaire, les qualités. Nous pas jouer la qualité, nous pas jouer le prix, que nous, c'est deux choses qui sont très importantes. Bonjour, moi c'est Yuven de Aqualux. Aujourd'hui, nous présentons le Mock Solinpec qui est fabriqué en Allemagne et Turquie. C'est un chauffe-eau solaire. Les technologies de ce chauffe-eau solaire là, c'est un solar water. Collecteur, un flatbed, après il y a un tank, c'est un heat exchanger. C'est-à-dire de l'eau là, il est chauffé dans le flatbed et il est monté dans les heat exchangers. Dans les heat exchangers, il fait un système serpentin. Ce serpentin là, ce tuyau là, il est fabriqué en inox 316L qui est fit pour consommer de l'eau dedans. La technologie qui est là, c'est ça, de l'eau qui chauffe là, il rentre dans le tank là, c'est pas de l'eau là que vous consommez, c'est vous consommez de l'eau qui passe dans la serpentin, dans le Linux 316L. Bonne capacité qui nous est là, c'est nous avons le 120 litres, nous avons le 200 litres, le 300 litres. Et
si vous avez une plus grande capacité, quand vous avez plus beaucoup usé, c'est plus beaucoup de monde qui peut servir, là nous avons passé commande de 400 litres, 600 litres, en tout cas nous avons couplé les. Et type de solar qui nous est là, il y en a deux types. Il y en a un thermosiphon, comment on peut trouver ça qui est ici là, c'est un thermosiphon. C'est-à-dire où il y a un tank en haut et puis où flatbed qui est en bas. À ce stade, il y a un besoin de plus esthétique qui nous permet de mettre le flatbed qui trouve sur le toit, soit une toit plate, soit une toit inclinée, et le tank nous permet de mettre une distance de 5 à 10 mètres, n'importe qui côté, il y a trouve de où la case, et là nous avons besoin de mettre la pompe circulatoire. C'est le même système ça. Sinon, nous invitons à visiter nous à le stand d'Aqualix à Red Line Home Center à Bagatelle, Motor City. Et ici, nous pouvons nous c'est le Saint-Ingénieur, Madœuvre, qui pour conseiller les autres, l'aspect technique, commercial, tout le monde qui est là. Et merci beaucoup, nous attendons les autres.